Allez, salut les pêcheurs. Bon, bah de retour sur les bords de Loire, bien évidemment. Voilà, donc on est le 21 juin, ça va être une pêche hyper rapide. Il est 14h40, j'étais tendu à 14h20 et puis je vais commencer de plier vers 16h20, quoi. Donc ça va être un petit 2 heures très rapide. Voilà, donc j'ai pas refait de pêche depuis la dernière vidéo. J'ai fait mes repérages hier. Voilà, donc sur un tout nouveau secteur que j'avais jamais trop repéré. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais, bah, comme je vous avais déjà dit, hein, je commence déjà un peu à regarder sur Google Maps, essayer de voir des endroits qui m'intéresseraient et si y a la possibilité d'y aller avec la voiture, etc. quoi. Donc j'avais repéré quelques postes. J'en ai repéré un il y a à peu près 5-6 km au-dessus là, de très intéressant, franchement, magnifique poste. J'ai même pas fait de photos et de vidéos hier, j'étais tellement la tête dans le guidon. Vraiment un beau poste quoi, avec plein d'arbres immergés. Et en fait, ça fait une grosse zone juste avant, vraiment une belle zone, avec ça fait un espèce de barrage, enfin vraiment un truc, j'avais rarement vu cette configuration là en Loire, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, poste très bien en amont, et il y en a aussi qui a l'air d'être très sympa en aval, à la fin des obstacles, quoi. Franchement, donc j'irai la prochaine fois. Voilà, vu que là je faisais une pêche rapide, j'ai dit je vais venir ici. Pareil, c'est un poste que j'ai découvert hier. J'ai fait toute la longueur là, et là ça me paraissait pas mal parce qu'il n'y a pas énormément de courant, il y a un peu de fond. Ça fait une zone assez sombre avec quelques algues dans le fond. Et après ça remonte un peu, on voit une zone de sable un peu plus au milieu de la Loire. Et il y a la plage, je suis allé voir à peu près à je sais pas, une centaine de mètres au-dessus. En fait, c'est les plages quoi. Donc à mon avis, c'est ce qui fait que ça coupe un peu le courant et que c'est assez calme ici quoi. Voilà, donc j'étais assez optimiste hier, parce que franchement c'était assez sombre, c'était assez sympa. Là je suis un petit peu moins optimiste aujourd'hui parce que l'eau est moins teintée qu'hier et j'ai pu observer un peu du haut et j'ai pas vu grand chose quoi. Alors après je reste méfiant là-dessus parce que d'expérience je sais que des fois même on a l'impression de voir le fond, à peu près de deviner le fond, et en fin de compte les poissons on les voit pas forcément quoi. Donc bon, je vais quand même tenter, j'ai mis quelques bouillettes, j'avais de l'amorce un peu qui me restait au congèle, j'ai mis deux trois petites boules d'amorce et puis une poignée de graines, voilà, on va voir. J'ai mis l'amorce parce qu'au moins si ça peut diffuser un peu vers le bas, si jamais il y a des poissons qui peuvent remonter, ça peut être intéressant. Donc voilà, on va voir, en tout cas ça fait faire une petite sortie, mais il fait chaud là. Pff. J'ai dû mettre le pantalon et les bottes parce que vous avez vu un peu l'environnement. J'ai tout dégagé hier, hein, parce que c'était tout en friche là, avec la machette là, nickel. Je me suis fait un petit dégagement hier, là c'est impeccable. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. J'y crois moyennement, mais pourtant le temps est très bien là, ils annoncent des gros orages ce soir, vraiment des trucs assez violents là. Donc forcément, chute de la pression atmosphérique. Mais bon, il fait chaud quoi. J'ai pas pris mon thermomètre là. J'aurais bien voulu prendre un peu la température de l'eau. Voir. Mais bon. Voilà, donc on va voir. En tout cas, ça fait une petite sortie. C'est toujours sympa. Allez. Bon, bah, il est 16h10, ça va être temps de plier. Bon, bah, j'avais rien vu, hein. Enfin, j'ai rien vu ici. Tout à l'heure, j'étais parti, il était quoi, 15h20, j'étais parti pour retendre ma canne un peu plus loin. J'ai dit, allez, je vais retendre, je vais essayer entre le sombre et le début du banc de sable. J'ai rien à perdre, quoi. Et puis, je finis de remonter la canne et j'entends une carpe aspirer, quoi. C'est typique, hein. J'entends vraiment le bruit, je fais non. Donc, ça tombait bien, la canne était relevée, je la pose. Je vais voir au-dessus, et là je vois une mémère, mais elle n'était pas déclassée encore celle-là. Propre, entre deux eaux, une belle commune quoi, elle était là. Bon,
Puis je l'ai vu s'effacer là comme ça, limite à se laisser descendre. Donc bon, voilà, du coup j'ai dit je vais retenter un peu plus près de moi, un peu plus en bordure. Je suis vraiment pas tendu loin là, hein. Franchement je devais être attendu à. Je devais être à 6 mètres du piqué quoi. Et puis rien. Rien. Bon bah c'est pas grave. Des petites pêches rapides, hein, comme ça des fois ça peut fonctionner ou pas. Bon bah là ça a pas marché, mais bon, c'est pas grave. Ça m'aura permis de prendre contact un peu avec le poste et puis de vous le montrer. Voilà, donc je vais plier tranquille et puis je vous dis à la prochaine, ça sera sur le magnifique bief hein, qu'il y a plus haut, hein, je vous parlais tout à l'heure, hein. Franchement c'est magnifique, j'ai vraiment hâte d'aller le pêcher. Hein. On va voir, je pense vraiment qu'il peut y avoir du poisson. J'ai hâte. Voilà, donc je vous dis à bientôt les pêcheurs, portez-vous bien et puis à la prochaine. Allez, ciao.